Palooza. Moi je sais, et je vais raconter leur légende. Les unis et les tachetés ne s'aimaient pas. Entre eux, c'était la guerre tous les jours. Il n'y avait que des combats. Eh oh, poussin de mon chemin à toi. Tu es vert, ma place d'herbe. De qui tu traites? C'est notre place. Hors de question, c'est la nôtre. Ouais, elle avait trouvé avant nous. La guerre éclatait souvent avec le troupeau. Attaque! Tiens, les poulains se battaient déjà depuis tout petit. Ah. Tiens, aïe, t'es malade, espèce de débile. Et c'est qui tu serais de débile, hein? Je veux bien savoir. Toi, c'est toi le débile. Moi le débile, tu vas voir ce que tu vas voir. Je suis encore debout, tiens. Aïe, oh, ah, si c'est le, dépêchez-vous. Et oh, de qui t'as touché notre chef? De qui tu dois, toi? Ouais, je veux faire revoir de toutes les couleurs, moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. J'ai tous vous tuer, tout ce que vous êtes, vous les unis. Ah ouais? Et comment tu vas nous tuer avec tes petites taches, tiens? Tu mets pas de ça, espèce de petite pouliche. Et c'est qui tu traites de pouliche? Tiens, hein? Ouais, allez, dégagez. C'est qui que tu traites de dégager, là? Hein? Vas-y, c'est notre partie du troupeau, quoi. Eh oh, le gros nabo, là, tais-toi. Et c'est qui que tu traites de nabo? Tais-toi, je te dis. Tout ça, il y avait un couple qui s'aimait très fort. C'était une jument nommée Étincelle et un jeune mâle nommé Orage. Ils s'aimaient de tout leur cœur. À la table! Ouais! Tu vas voir ce que tu vas voir! Ils étaient les deux. Ils partaient ensemble. Dans le grand destin. Ah, nous voilà enfin tranquilles. Ouais. C'est dommage que notre amour soit que éternel. Je connais un point d'eau. On y va souvent avec notre groupe. Et si les autres nous voient, on peut mourir, tu sais. Mourir de quoi? Ils sont tous fous dans cette équipe. Même les poulains se battent. Tu te rends compte? C'est horrible. Je sais pas comment on peut faire ça. Bon, allez, viens, on y va. Ouais, Banzai, tous contre tous. Tous contre tous, allez. Ouais, bah. Ça fonctionne pas très bien. La jeune Eclipse savait très bien où aller son frère. Tandis que la jeune sœur de Étincelle savait très bien où aller sa sœur. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient ensemble. Elle est encore partie où? Attaque, elle attaque. Taisez-vous. Eh, hey, c'est qui tu traites? Oh, toi, tais-toi. Tu veux que je te fight un peu? Encore partie où? Je suis sûre qu'elle est encore partie à quelque part. Tiens, qui se voit là? Éclat, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu as, grande babèche? Tu veux que je te fight, hein? Calme-toi, voyons, ma belle. Je n'ai pas trop ce mot, le verbe fighter. Ce n'est pas trop dans mes cordes, tu vois. Je préfère mieux. Je préfère mieux chercher ma sœur, mon frère et ma pouliche qu'être avec toi, quoi. Et oh, je t'ai rien demandé, ok, la barbèche. Alors on va se calmer tout de suite, hein. Je cherche ma sœur, moi. Elle est sûrement quelque part. Ta sœur jumelle à la nounotte? Eh, qui tu traites de nounotte? Notre famille est tout sauf nounotte. Et notre couple est plus fort que le vôtre. Ah ouais, on parle combien? Tiens! Eh, calme-toi! Je t'ai rien fait! Ah ouais? C'est qui a rien fait, hein? Bon, j'ai cherché ma sœur. Ah non, je prends celle-là. Si seulement je pouvais la fighter, mais j'ai pas de force dans mes bras. Tu es épuisé déjà? Désolé, j'ai ramassé sur un caillou. Tiens, c'est une chance que j'avais envie de faire ça depuis très longtemps. Youpi! Ouh, oh, ça m'use trop bien. Tu viens, Orage? Oui, j'arrive. Depuis des semaines qu'on est ensemble et tout notre groupe nous cherche à ce qui paraît. Oh, mais laisse-les, ils sont chiants tous ceux qu'ils sont. Elle est où ta fameuse endroit où on peut boire de l'eau? Là-bas. C'est une fontaine? Ouais. Oh, trop bien. Bon, alors j'y vais. Tu viens? Mais notre amour est impossible.
aucun de notre groupe ne veut. T'en fais pas, on va trouver une solution. Et ce problème n'a pas de solution. Chaque problème a une solution, voyons. Il y a plus de solutions à bientôt arriver. On s'approche bientôt, c'est par là. Tu te dépêches, étincelle? Oui, oui, j'arrive. Orage! Étincelle? Étincelle! Orage! Étincelle! Étincelle! Orage! Étincelle! Orage! Orage! Oh non, pas encore! Étincelle! Étincelle! Oh non, pas toi! Qu'est-ce que tu viens embêter? Hein? Je te retourne la question. Tu veux qu'on se batte, hein? Mais non, on cherche étincelle. On cherche orage. Vous l'avez vu? Non. Étincelle, tu es où, ma chérie? Orage, tu es où? Ah non, pas l'un de l'équipe arverse. Qu'est-ce que tu fous là? Je te repose la question. Qu'est-ce que tu fous là? Je cherche étincelle. Je cherche orage. Je ne les ai pas vus depuis des semaines. Nous non plus, pareil. Rage, voyons, sors de là! Espèce de débilité, va! Oh, je te déteste, tu es nul et tu es tout pourri! Étincelle? T'as pas vu étincelle? Non. Je la cherche. Non, et puis je parle pas où t'as acheté. Ça peut vous provoquer des maladies. Et pourquoi vous êtes aussi paniqué? Parce que nous on cherche étincelle. Nous on cherche orage, mais. Ah oh, non, pourquoi je l'ai parlé? Orage! Étincelle! Oh non, pas toi! Pff, t'es chiant en plus! T'arrêtes pas de chercher les emmerdes toute la journée! Eh oh, je cherche orage, je cherche pas aucune emmerde là! On cherche étincelle! Orage, tu es où mon meilleur ami? En parenthèse. Étincelle! Y'a ta mère qui te cherche! Oh non! Fou! Qu'est-ce que tu viens foutre là? Je te retourne la question! Arrêtez de dire tout ça! Qu'est-ce que tu viens faire là? Je cherche étincelle! Je cherche orage! Orage! Étincelle! C'est pas possible, ils sont où? Attends, étincelle, c'est du groupe avant? Oui, tu as dit étincelle. Oh là là, ils nous mettent dans un bateau. Ils veulent qu'on cherche étincelle. Pourquoi j'ai dit orage? Oh non, c'est un monstre orage si je le retrouve. Si je le retrouve, je le tue. Elle est près de la rivière. De notre rivière, tu veux dire? De la rivière, de notre rivière. Oh, je t'ai rien demandé, ok, la barbèche. Sinon, tu vas te calmer. Je vais y chercher. Bon, comme c'est notre endroit, j'ai le droit d'y aller comme tout le monde, alors j'y vais. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Je suis posée. Je te retourne la question, moi aussi, je suis posée. Bon. Ça te dit qu'on fasse un... Hein? Oui, bon, d'accord. Prends ça, Thierry. On reste ici, on a de l'eau et de l'herbe. C'est parfait, notre enfant va grandir qu'avec nous. Il faudra le ramener au troupeau. Vous sachez que notre amour est éternel. D'accord. Ils ont eu enfin un enfant. C'était une petite appalousa, très mignonne. Maman? Mais pourquoi on ne peut pas retourner vers les autres chevaux? Parce que les autres ne nous veulent pas. Pourquoi? Tu es tachée et en même temps unie. Ouais. Et ça peut être très très grave. Tu peux mourir, ma pauvre. Quoi? Oui. Bonjour. Le secret, c'est pour Lisa. Waouh, c'est joli ici, dis donc. T'approches pas de notre fontaine. Est-ce que c'est compris? Ah, tais-toi. Oh, c'est ma soeur. Vite, il faut se cacher. Mais où? Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Toi, dégage de ma soeur! Aïe! Espèce de monstre, va! Tu lui as fait quoi? Éclat, calme-toi! Non, étincelle, je me calmerai pas! Et qu'est-ce que ça fait, ça, ce truc-là? Ah, c'est immonde, il faut le tuer tout de suite! Maman! J'ai peur! Stop, c'est ta fille! Je veux pas dire
renversement, c'est dégueulasse, mais tu me mets honte de moi. Orage, qu'est-ce que tu lui as fait? Elle a, laisse tomber, il a fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce poulain immonde? Et qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout. Oui, je sais très bien que tu lui as fait quelque chose, mais tu ne veux pas l'avouer. Viens là. Ah, calme-toi, calmez-vous, on est mariés, on s'aime. Ce n'est pas possible. Papa, maman, j'ai peur. Ils me font tous peur. Ils sont là-bas. Ah, vous avez enfin trouvé, bande de nigauds. Ouais. Ah, c'était pas trop tôt. Qu'est-ce que fait ce poulain idiot? Maman, j'ai peur, maman. Doucement, ma chérie, doucement, calme-toi. Ils vont rien te faire. On a fait un poulain parce qu'on s'aime, je comprends pas. Arrêtez de vous bagarrer, ça ne sert à rien. Serrez-vous la main et vivez ensemble et en cœur. Elle a pas tort. Oui. Serrons-nous la main. Depuis se reliaient les deux groupes. Elles vivaient la plus grandir dans la meilleure des harmonies. Les unis et les tâches vivaient maintenant ensemble. Ils s'aimaient et s'adoraient. Ils n'avaient pas de chef. Ils se battaient contre les autres groupes, mais plus entre eux. Leur alliance a été soudée à même des couples qui se sont faits. Des gens qui se détestaient à l'époque sont venus amoureux et meilleurs amis. Des vieilles connaissances, des pires ennemis sont venus meilleurs amis. Tu viens, on va jouer? Ouais! Ils se battaient tous contre les autres, ils protégeaient leur troupeau. Et c'est depuis ce jour-là que Palooza existe, tacheté et uni en même temps.